Salut à toutes et tous, bienvenue dans ce stade pour cette nouvelle rencontre de football qui va nous occuper. Au micro, ce sera moi, Hervé Matou, vous l'avez compris, je vais vous accompagner pendant cette rencontre. C'est le foot français qui est à l'honneur avec ce match de Ligue 2 BKT aujourd'hui. On a vraiment hâte que ça commence, ça ne va plus tarder. Je suis très heureux d'être avec vous, bien sûr, j'espère qu'on va avoir un match plein de rebondissements. Voici la composition de l'équipe à domicile. L'équipe qui va évoluer aujourd'hui en 4-5-1, une seule pointe. Vous découvrez la composition du Stade Malherbe de Caen. On connaît le style de jeu de cette équipe. Elle va, comme toujours, aller presser très haut aujourd'hui. Ça y est, c'est parti. Début de cette première période. Ouais, ça, c'est très bien défendu. L'arbitre qui laisse jouer. Bonne opportunité pour les Canets. Allez, peut-être une bonne occasion. Non, non, l'action n'ira pas plus loin. Il y a hors-jeu. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Ce ballon qui est perdu, peut-être un contre. Oh, s'il marque, ils vont passer devant, attention. Oh, quelle détente. Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là. Cherche le point de pénalty. Ah ouais, les mains sûres du gardien. Ah non, le ballon est perdu. Prince Nyangé. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère les 30 derniers mètres. Oh, la parade du gardien, ça c'est beau. Alvarez. Ouais, c'est dévié le ballon qui sort.
Visiblement, on cherche la brèche en faisant tourner. Ah, dommage, le ballon qui est perdu. Il a laissé l'avantage, mais il revient à la faute. Hein, ça n'a pas profité. Puissance, mais il n'y avait que de la puissance au niveau précision. On était vraiment très très loin. Prince Nyangé. Mendy. Bénéficier de la touche. Armand. Attention, il a du champ devant lui. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Attention, ça peut devenir intéressant. Séquence de jeu intéressante pour les cadets. Ah, il parvient à stopper cette offensive. Donnez Wilpoa. Oh, il n'y a personne pour l'arrêter. Ouais, c'est bien joué défensivement. Bien vu. C'est une belle abnégation hein, chez ce joueur qui a fait l'effort. Ouais, bon tac, il lui a pris le ballon. Et oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Chercher une ouverture, bien sûr. Ouais, il est bien placé pour centrer. Il cherche quelqu'un de démarqué. Ouais, tentative de jouer ce ballon en finesse. Mais là, c'est complètement raté. J'imagine que ce n'était pas l'intention. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Non, non, il n'ira pas plus loin. Très bonne intervention défensive. Ramirez. Mendy. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Il avait vu venir. Mendy. Et il n'y aura qu'une minute hein, de temps additionnel à jouer. Oh, il a fait le plus dur peut-être. Allez, corner. L'occasion pour cette équipe de passer devant au tableau d'affichage.
Attention à ce corner. Et la mi-temps qui intervient à l'instant sur ce score de 0-0. Parti pour 45 minutes entre ces deux équipes après les 45 premières très équilibrées. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Oh, la faute, il va y avoir un bon coup franc. Le coup franc très largement hors cadre. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais c'est vraiment raté. Hein. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. On semble avoir choisi d'attendre. Attention quand même à ne pas jouer trop bas. Il faut trouver une option disponible. Et le gardien qui s'interpose magnifiquement. Mendy. Et parce qu'il se succède en espérant trouver la faille. Ballon rendu à l'adversaire. Séquence de jeu intéressante pour les cadets. Avec un tir. Ouais, bonne intervention, assez autoritaire. Il y a des ballons comme ça qu'il faut négocier sérieusement. L'entraîneur qui choisit de faire un changement. Le numéro 28, David Gomis. À sa place, le numéro 18, Ebenezer Asifoua. Vous recherchez un maillot collector, une tasse à l'effigie d'un joueur ou des articles d'une collection précédente. Ouais, bien tiré ce corner. Ouais, peut-être complètement raté. Équipe qui n'est pas assez dangereuse, hein, qui se crée trop peu d'occasions pour venir confirmer sa supériorité supposée. Donnez-lui le poids. Visiblement, on cherche la brèche en faisant tourner. Oula, il fallait intervenir urgemment. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Mendy. Ah, il dépossède son adversaire du ballon. L'arbitre a sifflé, est-ce qu'il va sortir un carton ? Ramirez. Mendy.
Ouais, le ballon qui file jusqu'au gardien. Oh, que c'est bien mené ça. Ah non, c'est mal négocié. Donnez Will Poa. Attention, ça peut être dangereux. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. On va peut-être assister à une contre-attaque. C'est comme une jeu intéressante pour les Canets. Et c'est dévié. Dommage pour lui. Son tir semblait cadré. Ce ballon en profondeur. Et bien voilà. Et bien voilà le premier but dans ce match. On l'aura attendu longtemps, ça fait 1-0. On va revoir ce but. D'abord la passe en profondeur hein, qui a mis la défense aux abois. Le ballon qui passe au premier poteau. Et le gardien qui est trop statique sur sa ligne. Qui ne peut pas intervenir. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Un petit coup d'œil au chronomètre. Qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. C'est l'attaque de la dernière chance. Il ne reste plus beaucoup de temps pour égaliser. Ouais, c'est dévié, corner. Le remplaçant qui se prépare à entrer, mais à la place de qui ? Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Et la tête, c'est à côté du cadre. Dommage, c'est pas passé loin. Donnez Will Poa. Ça part bien, action dangereuse. Et non, dommage, ça va s'arrêter là. Un petit peu d'espace devant lui. Ouais, il a le temps de centrer. Alors, touche longue ou une touche courte, on va voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Sur la frappe, le gardien qui nous régale encore avec cette parade. Peut-être la dernière opportunité pour eux. Allez, petite combinaison sur ce corner. Prince Nyangé. Oh, ça peut faire but. Ouais, il repousse, ça joue.
chercher l'ouverture, bien sûr. Allez, ils peuvent égaliser là. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. On va observer quand même la décision de l'arbitre. L'arrêt décisif à cet instant du match qui vient sauvegarder la victoire. Ouais, bien tiré ce corner. C'est terminé. Cette équipe qui empoche donc les 3 points devant son public. Ouais, elle est courte cette victoire, mais c'est une victoire. Et ça, c'est vraiment le plus important. Il a été plutôt bon dans cette rencontre. Il a vraiment contribué à la victoire de son équipe, indéniablement. Ouais, grosse prestation de sa part. Beaucoup d'occasions. Et puis, il marque le but de la victoire. Que demander de plus ?